L'art plastique, c'est en fait une activité qui fait appel vraiment à d'autres sens que les autres matières. Souvent, dans les matières académiques, on fonctionne de façon très cérébrale. Et en art plastique, bien que parfois on réfléchisse, on puisse s'inspirer d'histoires ou de toutes sortes de choses qui demandent de la réflexion, il y a aussi toute la partie vraiment expressive où c'est plus les émotions, le ressenti avec la matière. Donc, c'est toute une autre partie de l'être humain, en fait, qui entre en jeu à travers les arts plastiques, les arts visuels aussi. De faire la concentration art ici à l'école, ça m'apporte de développer de plus en plus ma créativité et de développer des techniques que je ne savais pas auparavant. Je trouve que l'art, c'est essentiel dans notre société, mais ça dépend comment on s'exprime. Parce que des fois, dans une œuvre d'art, on peut envoyer un message important pour la société, mais des fois, c'est juste créatif et ça nous fait beaucoup de bien à le faire. Faites partie de cette 27e édition d'ictbgl.ca.